Ouais. Je vous donne encore un livre pour quelqu'un que j'aurais déjà donné, mais quelqu'un d'autre que vous connaissez. Ah non, j'ai pas, vous m'avez pas donné. Et l'autre jour à la gare, vous m'avez pas donné? Non. J'ai oublié. Non. Et ben alors c'est pour vous alors. Alors c'est la guide. Pour le même deux. Ah ben merci. Pour que vous donnerez aux personnes. Pour Monsieur Zeller, là, pour vous le verrez. Oui. Vous lui donnerez un exemplaire. Ouais. Et c'est sur l'Europe, hein? C'est le monde, oui. Ah, le monde. Enfin, c'est un petit peu ancien quand même, il y a 11 ans. Mm-hmm. On n'est pas dedans, je dis tout de suite. Par contre, le RH est dedans. Enfin, le RH, pas celui de Suisse, mais enfin le RH est dedans. À la page. Ah, ouais. À la page 39. Mais c'est très écrit dans la revue de Destin. Qui est paraissait à Lausanne dans les années 50. Oui, tu m'as parlé de cette revue. Oui. Justement, je suis allé à la il y a la collection entière de cette revue à la bibliothèque de Lausanne, justement. Vous êtes allé à la BCE, la bibliothèque Copenhague. Oui, on y est allé. Ouais, et que vous avez trouvé les. Oui. Ouais, ah oui, oui, les voilà. Stars. Uh-huh. Et d'ailleurs. Mais ça me surprend pas du tout. Hein. On avait parlé l'autre jour. Je vous ai apporté. Au buffet de la gare. Voilà, je t'ai apporté deux exemplaires d'une photocopie, mais c'est très. Il y a beaucoup d'autres choses, mais simplement pour que tu le saches. Ah oui, janvier 49. C'était fondé en 38 en fait. Hein. Et alors donc là-dedans, il y a une dizaine d'articles de Ruperti. Mm-hmm. Hein. On voit même sa photo. Mm-hmm. Voilà. Donc Monsieur Marquis a l'intention de dépouiller ou même de reproduire cette revue dans l'avenir. Mm-hmm. Mm-hmm. Peut-être un peu une recherche d'historien. Sa fille, là, c'est fait que ça. Histoire, sociologie, c'est transdisciplinaire. Ouais. Ouais. Et c'est même une sorte d'ethnologie, quelque part. C'est même une sorte d'ethnologie. Ouais. Si on veut. Mais c'est autour de l'astrologie, autour de cette discipline-là. Ouais. C'est vrai qu'entre 1940, je ne sais pas à quel moment vous commencez votre recherche. À quelle époque? Maintenant. Oui, mais je veux dire, dans vos recherches ultérieures, là-bas, vous avez découvert un journal qui sortait dans les années 40. Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin de... Ben, je pense que c'est nécessaire de par exemple, relire Ptolémée, même si relire Calvin, ou relire des choses, des tas de gens qui ont laissé des témoignages sur l'astrologie de leur époque. Pas que des astrologues. Mmh. C'est ça qui est important. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Saint Thomas, d'autres. Mmh. Puis après, il y a eu la grande révolution de la Renaissance avec Copernic, Kepler, Tycho Brahe. Ça, c'est aussi une période très très riche. Hein. C'est aussi là où, moi, je pense, par rapport à ce que j'ai compris de vos préoccupations, je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu cette scission entre astronomie et astrologie avec l'arrivée des nouveaux instruments. Écoutez, on peut discuter de cette question de raison de la scission, du divorce astrologie-astronomie et du déclin aussi quelque part au niveau de la société académique de l'astrologie. Je ne pense pas que ce soit lié à cela. Une des dernières hypothèses que j'ai développées récemment dans un article que je crois vous avoir envoyé sur les jardins à la française. Vous avez dû recevoir c'est justement celui que vous aviez lu, qui vous avez un petit peu titillé quand vous l'aviez, le jour de notre lundi, quand on s'était vu, vous aviez lu quelque chose là-dessus. Et je disais que justement, l'astrologie est trop déjà une astrologie du jardin à l'anglaise. Hein, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, c'est foisonnant, etc. Bon. Et que, en France, en tout cas, on était à la mode des jardins à la française, bien alignés, bien symétriques, et que les astrologues n'avaient pas trouvé moyen d'élaborer une astrologie en phase avec cette astrologie à la française. Et le fameux Morin de Villefranche, vous en avez certainement entendu parler, qui avait d'ailleurs dressé le thème de naissance du futur Louis XIV,
et qui était professeur au Collège de France d'ailleurs, eh bien finalement il avait publié l'Astrologia Gallica en 1761, c'était un ouvrage posthume, mais qui n'était pas du tout un ouvrage à la française, bien malgré son nom Astrologia Gallica. Il n'avait pas compris la nécessité d'une astrologie recentrée, symétrique, bien alignée, où les courbes se reviennent régulièrement. Et cette espèce d'astrologie extrêmement baroque, qui est encore celle que nous avons aujourd'hui, c'est pas, quelle que ce soit celle de Ruperti ou celle de Barbeau ou celle de Nicolas, on est quand même dans une astrologie très baroque, c'est-à-dire une astrologie où il y a énormément de choses qui se passent, il y a constamment des configurations qui ont lieu, il n'y a jamais de cyclicité absolument claire, parce que une cyclicité interfère avec une autre cyclicité, donc on a quelque chose, si on devait le représenter graphiquement, qui ne serait certainement pas un jardin à la française à la façon de Versailles. Donc moi, c'est mon explication, parce que ça fait des années que je réfléchis sur ce problème-là. L'astrologie n'a pas... c'est moi, justement, ce que je voudrais, c'est une astrologie à la française, avec ses jardins très très rigoureux, très répétitifs, très... À la Descartes, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est ce que je voudrais. D'ailleurs, j'appelais ça, j'en discute l'autre, l'astrologie centrale. C'est le nouveau concept que j'ai lancé, je l'ai inventé à Lausanne. Oui. L'astrologie centrale, c'est-à-dire l'astrologie qui s'intéresse à tout ce qui est dans la convergence, tout ce qui est dans l'axe, la mise en évidence d'axes principaux, tout ce qui est dans l'idée de se retrouver dans la notion de conjonction, dans la notion de centre-ville, de centrer, d'être mettre l'astrologie au centre éventuellement. Alors que là, elle est au contraire dans une sorte de marginalité, et puis elle est dans la sorte de banlieue. Elle est plutôt, j'en disais, quand on est dans l'autobus, je disais, il y a une différence entre aller de la périphérie vers le centre et de le centre vers la périphérie. Et effectivement, tout le monde connaît, dans une ville, tout le monde connaît le centre-ville. Par contre, il n'y a que ceux qui habitent dans la périphérie qui connaissent leur coin, voyez-vous. Et c'est ça aussi, est-ce que l'astrologie doit s'intéresser à ce qui est de l'ordre de la centralité des choses, de la sorte de la convergence des choses, ou au contraire, de l'ordre de la diversification, de la banlieusardisation, je dirais même, quelque part, et donc de la marginalisation. Voilà, donc je vais commencer par un petit rapport que je vais faire pour votre gouverne, chère Claire Gagné, concernant l'entretien que nous avons eu hier après-midi dans les hauteurs de Lausanne, vers Elisabeth de... Isabelle Montelu. Voilà. Avec Ballage. Oui, parce qu'elle n'est pas très loin, en fait. Mais on n'était pas chez elle, mais elle est venue... Ah, vous avez rendez-vous ailleurs. Elle est venue nous rendre visite dans un cas chez elle. Alors donc, ce colloque, ou ce symposium, puisque c'est le mot, est préparé donc par une commission paritaire, moitié astrologue, moitié psychologue. Est-ce que vous en faites partie de cette commission? Non, non. D'accord. Je vais y participer, mais je ne fais pas partie du comité d'organisation. Alors, une des premières questions qu'on a abordées, enfin, je ne sais peut-être pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, c'est la question de l'apport de chaque discipline à l'autre discipline. Qu'est-ce que les astrologues apportent aux psychologues et les psychologues aux astrologues? Et alors, ce qui est ressorti, on va peut-être commencer là-dessus, c'est que les astrologues apportent une dimension du temps, une qualité du temps, une durée des choses, des échéances que le psychologue ne serait pas capable d'apporter. Mais inversement, le psychologue, d'après Madame Galland, apporterait cette idée qu'une consultation doit se déployer dans le temps, dans un certain nombre de rencontres, et pas forcément ponctuelles. Voyez-vous. Donc c'est pour ça que je disais... Pour la psychologie. Non, qu'elle devrait prendre, les psychologues devraient prendre modèle sur la psychologie et opter pour la formule d'une série de rencontres et non pas d'une seule rencontre. D'accord, ouais. Oui. Donc voilà, donc chacun apporterait une dimension du temps qui manque à l'autre. Les psychologues, les astrologues se conformeraient au modèle psychologique au niveau de l'idée de déployer la consultation sur un certain temps, donc pas sur une seule durée, pas sur une seule fois. Et les astrologues aideraient les psychologues à structurer, d'un point de vue chronologique, la vie de leurs clients, passé et futur. Leur référence est extérieure, c'est disons ce qui différencie une approche astrologique d'une approche psychologique. Bon, alors sur ce point,
Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin dans cette idée d'apport mutuel entre astrologue et psychologue? Absolument, oui, bien sûr. Du moment qu'on utilise l'astrologie à des fins psychologiques. Mais il n'y a pas que cet usage-là pour l'astrologie. Oui. Oui. Mais en l'occurrence, elle a bien dit, Madame Galland, elle a bien dit que l'astrologue apportait une dimension prévisionnelle, quelque part. Peut-être pas le mot prévisionnel, mais une dimension dans le temps. Tout à fait. Donc oui. Là, l'astrologie, dans le rapport astrologie-psychologique, l'astrologie ne renonce pas à la dimension cyclique. Oui, ce qui est prévisible, c'est le déploiement d'un cycle. Oui. Où on retrouve effectivement l'ordre cosmique qui est tellement... Alors, ce qui est un peu gênant, par contre, malheureusement, c'est que cette cyclicité qu'aujourd'hui... chez les astrologues, elle est quand même un peu mal en point parce que elle est tellement complexe. Encore une fois, on retombe dans la complexité. Oui, j'ai vu, c'est vraiment votre gros souci. Par contre, c'est mon souci. Vous avez tout compris. Oui, oui, oui. Cette cyclicité, au lieu d'être une merveilleuse sinusoïdale avec des hauts et des bas et une symétrie, etc. Même dans le cadre des travaux de Rudyard sur la progression, enfin les lunaisons et les progressions, eh bien, il y a des moments où il y a bon, par hasard, dans le cas du thème X, il y a un amas planétaire à tel endroit, et puis là, après, il n'y a plus rien, et puis à un autre endroit. Enfin, c'est une cyclicité quand même qui est très mouvementée et très en dents de scie. Alors justement, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. J'y vois une grande harmonie. Voilà. Comme dans le déroulement du temps. Je veux dire, là, on a des années, on a des jours, on a des heures. Ça nous permet justement de nous donner rendez-vous à une heure fixe. Oui. Mais alors, écoutez, Madame Gagné, c'est vrai. Écoutez, j'ai juste vous dire que la prévisibilité, elle est de cet ordre-là. On sait qu'à un moment donné, il y aura une conjonction Jupiter-Saturne. Oui. La prévision, elle est là. Oui, mais enfin, écoutez, les comparaisons, quand même, regardez, les saisons, quand même, ça obéit à des cycles extrêmement précis, extrêmement simples. Mm-hmm. La journée, il y a aussi des moments de la journée qui sont bien nets. Mm-hmm. C'est quand même pas du même ordre que la représentation que l'astrologie donne de la vie des gens. Citez-moi un cycle qui ne soit pas prévisible au niveau de non, mais je veux dire, système solaire. Quel cycle? Ah non, mais chaque cycle pris séparément est parfaitement prévisible. Oui. Mais l'ensemble des cycles provoque un ensemble qui est extrêmement complexe. La vie est complexe. D'accord, mais si la vie est complexe, l'exemple que vous donnez du fait qu'à telle heure on se rencontre, ben ça c'est quand même un champ beaucoup plus simple. Hein. On a une journée de la journée, on se voit à midi, on se voit le soir. On ne peut pas comparer. Oui, mais ce rendez-vous qu'on a là, on pourra y poser, le situer dans 1000 ans encore, à condition qu'on ait un même calendrier. Mais même si les calendriers changent, du moment qu'on les compare. Bon, enfin, en tout cas, je fais état de cette cyclicité qui, à la fois, me paraît un élément absolument essentiel de l'astrologie, mais qui, dans la pratique, au lieu de déboucher sur ce que j'appelle les jardins à la française, où tout est bien aligné, où tout est bien symétrique, débouche quand même sur quelque chose qui est un tout petit peu chaotique, même si vous considérez que la vie est effectivement chaotique. Alors, moi, je n'ai pas utilisé le terme de chaos, je n'ai pas utilisé non, mais enfin, quelque chose... J'étais d'accord sur complexité. Mais chaotique, en tout cas pas. Bon. En tout cas pas chaotique. Mais bon, ce sont des points de vue. Hein. Oui, voilà. Moi, je pense pas qu'on va... Voilà. Qu'on va pas pouvoir se mettre d'accord aujourd'hui. Donc je continue sur... Ça m'intéresse de vous entendre, mais laissez-moi aussi... Mais bien sûr, écoutez, bien sûr. Mais de toute façon, je sais comment les astrologues, la sensibilité des astrologues sur ce point. Alors je donne un autre élément que Madame Galland a fourni, qui est plus complexe. Beaucoup plus complexe. Alors, dans la collaboration entre l'astrologue et le psychologue, elle connaît des psychologues qui demandent à l'astrologue auquel ils envoient à leur client un enregistrement, et ensuite le psychologue écoute avec le client l'enregistrement qui a été fait de la consultation astrologique. Voilà, c'était un protocole qui, je ne pense pas qu'il est général, mais qui a été utilisé. Alors, à votre avis, quel mode de relation peut exister au niveau humain, au niveau professionnel, entre un astrologue et un psychologue qui éventuellement ferait équipe? Et qui... quel genre de collaboration, puisqu'on est en train de parler un petit peu dans la perspective de ce fameux symposium. Tout à fait. Bon. Alors, mais déjà, moi, je ne suis pas du tout psychologue. Hein. Est-ce que vous pourriez travailler avec un psychologue? Est-ce que ça serait possible? Oui.
Alors comment ça pourrait se faire? En lui précisant bien que je ne fais pas la psychologie. On pourrait, comme Sylvie Gallon l'a mentionné, enregistrer une consultation que je donnerai à un de ses patients. Et je pense que ça pourrait lui être très utile d'écouter cet enregistrement, bien sûr. Mais pour ma part, je ne suis ni psychologue ni thérapeute. Dans mes consultations, je suis plutôt une traductrice, disons. Mais pas, je ne suis pas thérapeute. Ah non, on n'a absolument pas dit que la psychologue et le psychologue faisaient le même métier. Hein. Exactement. Mais ils peuvent travailler de concert. Moi, j'ai pas mal de collègues astrologues qui sont aussi psychothérapeutes et qui allient leurs deux méthodes. Mais pourquoi pas? Oui, alors est-ce que ça doit être deux professions différentes qui travaillent ensemble ou est-ce que c'est une même personne qui fait les deux? C'est une question qui sera certainement posée au symposium. Mm-hmm. Alors, une autre question qui a été posée et qui va peut-être vous paraître un peu surprenante, c'est de savoir si, dans certains cas, le psychologue se sert de l'astrologue pour gérer ses relations avec son client. C'est-à-dire qu'il se dit, le client a un certain type de profil, apparemment, ça lui ferait du bien de passer par la voie très particulière qui est celle de l'astrologie, du discours de l'astrologue qui vient d'un... qui est fondée autrement, qui se réfère autrement à la personne, et à ce moment-là, il y aurait une valeur thérapeutique, en quelque sorte, à aller voir l'astrologue. Mm-hmm. C'est-à-dire pour des fins thérapeutiques, c'est-à-dire pour des fins de traitement, il se dirait, voilà, ben, une petite séance d'astrologie, ça ne vous ferait pas de mal. Mm-hmm. Bien sûr. Ça peut effectivement confirmer des choses qu'il a déjà détectées d'une autre façon, mais c'est quand on a le thème, c'est vraiment un portrait quelque part, c'est un portrait astral d'une personne. Et ça peut justement expliquer peut-être certains comportements, oui. Certaines difficultés. Sauf que là, il y avait une petite astuce qui va peut-être nous paraître surprenante. Il ne s'agissait pas uniquement de ça, il s'agissait aussi éventuellement de faire passer certains messages en se servant du truchement de l'astrologue. Mais ça, c'est une suggestion que j'ai faite. C'est pas Madame Galland qui l'a faite. Ouais. C'est-à-dire que le psychologue aurait un entretien avec l'astrologue sur la façon dont il devrait éventuellement mener sa consultation. Sans la présence du patient. Si, la consultation aurait lieu avec le patient, ouais. Mais il aurait un entretien avec l'astrologue pour lui dire les points sur lesquels il aimerait éventuellement. Que la consultation astrologique puisse aller. Mm-hmm. Est-ce que ça vous paraît acceptable, cette idée d'une sorte de concertation? À quel point de vue, à un niveau déontologique, ben, par exemple, d'efficacité? Oui, parce qu'effectivement, si l'astrologue se trouve chargé de dire certaines choses à son client, non pas parce que c'est dans le thème astral, mais parce que le psychologue lui a demandé, en lui disant ben, « tu diras que c'est dans le thème astral », enfin bon, j'exagère, je caricature, oui, oui. Effectivement, en profitant du fait qu'il y a un transfert du client sur le thème astral, et il y a une ouverture quelque part, ou un déblocage par rapport au fait que c'est un astrologue qui a une autre image que le psychologue, qui travaille autrement, et qui a un autre rapport au client, etc., pourrait se dire, bon, ben, tant qu'à faire, autant que ce que certaines choses que j'ai envie de dire et qu'il ne passe pas dans la relation psychologue-client, pourrait passer en introduisant un troisième personnage qui est l'astrologue. Et qui, lui, aiderait à ce qu'une vérité, qu'une orientation que le psychologue n'arrive pas à faire passer, puisse passer parce qu'elle émane non plus du psychologue, mais de l'astrologue, et que l'astrologue peut avoir quelque part un crédit que n'a pas forcément le psychologue auprès de certains types de patients. Moi, je pense qu'au niveau pratique, ça peut avoir une grande efficacité. Mais bon, au niveau déontologique, il faut bien s'assurer que le patient ou le client est au courant de ce qui se passe. Et, bien, et puis chaque fois... Ah ben non, parce que ça casserait le transfert. Si le client sait que l'astrologue travaille en concertation avec le psychologue, le charme risque d'être rompu. Bon, alors là, vous entrez dans des pratiques. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas psychologue. Vous utilisez ce terme de transfert. Oui, parce que le transfert, c'est une image. J'ai une idée dont il s'agit, mais je ne peux pas entrer en matière ces pratiques-là, parce que je n'ai pas les compétences. On se considère comme psychanalyste en psychologie,
tout le travail se fait à partir du transfert. Oui, mais je ne vous demande pas de m'expliquer ce qu'est le transfert. J'ai une idée de ce qu'est le transfert, mais je ne peux pas me prononcer sur, sur une démarche comme ça. J'ai pas le... Alors, un troisième point, avant qu'après vous me posiez vous-même vos questions, c'est la question de l'image un peu caricaturale qu'il risque d'exister dans un symposium interdisciplinaire entre un psychologue qui voit de manière un peu figée l'astrologie et un astrologue qui voit de manière un peu aussi figée la psychologie. C'est souvent ce qui se produit dans ces... Moi, j'ai assisté quand même à pas mal de congrès interdisciplinaires où l'astrologie était confrontée à autre chose. Et c'est parfois un peu décevant, malgré tout, parce que le psychologue va dire « vous, astrologue » ou « l'astrologie ». Et puis l'astrologie, on a l'impression qu'il sait ce que c'est l'astrologie, que c'est posé comme ça. Et puis l'astrologue qui va dire « la psychologie ». Et ça, c'est un écueil... que j'ai signalé à cette dame. À Sylvie, Disant quand même qu'on... Ben là, il faut voir les personnes en question. Parce que vous avez raison, quand on est à la fois astrologue et psychologue, on risque moins de caricaturer l'une et l'autre. Mais si on n'est que l'un ou l'autre, quel regard on a sur l'autre discipline avec laquelle on est confronté? Mais ça peut être juste mon tout l'enrichissement de cette volonté de gens qui sont dans différentes disciplines, de faire des échanges. Tout dépend de la volonté, d'ouverture. Vous parlez d'un peu d'une sorte d'image d'épinal qu'on risquait d'avoir de l'autre profession. Oui, on est maintenant au 21e siècle, c'est possible que des problématiques qu'on rencontrait auparavant dans ce genre d'échanges entre disciplines n'existent plus. Et puis qu'il y a une volonté de la part de ces praticiens vraiment de s'ouvrir à d'autres démarches et de voir dans quelle mesure ça peut les enrichir. Alors, moi, je suis assez optimiste, surtout la façon dont ce symposium a été mis sur pied. Ça fait 2 ans que cette équipe travaille, ils ont eu beaucoup d'échanges entre eux, d'accord. Donc c'est vraiment il y a quelque chose qui est assez cohérent. Je pense qu'ils ont énormément échangé sur les différences de ces deux disciplines. C'est mon sentiment. Oui, mais ça ne va peut-être pas se manifester dans le colloque lui-même. Enfin, bon, ça va peut-être exister au niveau de la commission, mais lors du colloque. Mais vous pensez peut-être au public alors qu'il y aura justement que c'est. Vous pensez au public. Oui, au public, aux ceux qui n'ont pas participé aux travaux préparatoires. Oui. Et nous avons eu une réunion hier avec M. Fatchin. Je voudrais vous en faire part aussi, parce que c'est la dernière réunion. Vous êtes la dernière personne que je rencontre pendant mon séjour en Suisse. Donc, parce que je pars ce soir. Donc, je fais un petit bilan grâce à vous. Enfin, pas uniquement, je ne vais pas vous utiliser pour ça. Mais M. Fatchin, il nous a dit des choses assez surprenantes. Et vous savez que c'est quelqu'un qui programme des calculs informatiques, mais qui aussi programme les interprétations. Hein? Bon, alors déjà, ça me fait un petit peu glousser, mais ça me fait m'étrangler. Oui, m'étrangler, vous me préférez. Mais c'est pas ce. Alors, je voudrais quand même vous faire part de certains propos qu'il a tenus, et après, bien sûr, on va toujours vous étrangler. Mais il nous a dit. Parce que il profite de. Il a quand même la responsabilité de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il met en place l'interprétation du système en question. On lui passe une commande, on lui dit voilà, bonjour monsieur, vous êtes informaticien, j'ai tel et tel système, je voudrais que vous le mettiez en forme et puis que vous mettiez en place une base d'interprétation. Alors lui, il nous a dit que il profitait de cette situation où on le chargeait d'interprétation pour supprimer des éléments qui pourraient être excessifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il contrôlerait l'interprétation des différents systèmes de façon à ce que ça n'aille pas trop loin dans un certain sens, ou même, il va même encore plus loin, il utilise parfois des systèmes qui ne sont pas prévus dans le système dont on se sert pour apporter un peu plus de réalité au système proposé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, imaginez un système qui n'est pas du tout viable, eh bien, on y injecte du système viable pour que le résultat ne soit pas trop nul. Mais moi, je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est par rapport à l'analyse des aspects, les orbes, que vous parlez.
quelque chose d'excessif. Vous pouvez donner un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être excessif? Bon, il y a deux problèmes. Premièrement, il peut y avoir, chaque système peut avoir des effets, des aspects pas très intéressants. Un système astrologique peut avoir des côtés qui sont problématiques. On peut plus ou moins les gommer. Quand vous parlez de système, c'est la façon de monter le thème, c'est la façon de tirer les aspects. Oui, par exemple, imaginons par exemple que vous ayez un certain système d'interprétation des aspects, eh bien, on pourrait essayer de modérer parfois certaines formulations, voyez-vous. On modère certaines aspérités du système. Vous parlez de l'interprétation. Oui. D'accord. L'informaticien aurait une pourcharge, accessoirement, de modérer ou de préciser un peu mieux le système brut pour en faire quelque chose de plus acceptable. Qui ne serait pas uniquement propre au système en question, mais qui serait une sorte de système un petit peu retravaillé, corrigé, amendé. Et alors? Mais pourquoi? Est-ce que vous attendez de moi? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me préoccupe et que je connais très peu. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez failli vous étrangler. Donc, expliquez-nous les raisons de votre étranglement. Parce que je ne comprends pas qu'on ait besoin d'un ordinateur et qu'on fasse des calculs, disons, mathématiques pour une interprétation. Pour moi, l'interprétation d'un thème, ça nécessite la présence de la personne qui est née à tel moment et dont j'ai monté le thème et un échange. À mon avis, c'est pas une machine. Même si le système est très très perfectionné, qui peut donner cette interprétation. Ce qui peut être fructueux, à mon avis, hein, ça c'est ma pratique. Moi, je suis un peu artisane, disons, dans cette démarche. C'est vraiment la rencontre avec le support du thème que je vais monter. C'est la rencontre entre une personne et les connaissances que je peux avoir pour traduire ce que son thème... Sauf que, là encore, vous allez servir un peu de garde-fou parce qu'il y aura l'astrologie et puis il y aura aussi quand même quelque part cette relation avec le client qui peut moduler aussi l'information proprement astrologique. Absolument. On est dans une subjectivité absolue. Et je le revendique. Voilà. Le thème, c'est une abstraction. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui incarne un thème, ce thème, il peut représenter n'importe quoi. On m'a dit que dans l'astrologie que vous pratiquez, il y a plusieurs niveaux de signification entre lesquels on peut hésiter ou opter. Oui, ça c'est une des bonnes techniques. Il faut jauger un petit peu. Que Dame Rudière nous a proposé et qui est très efficace. C'est-à-dire qu'un thème, ça peut représenter n'importe quoi, comme je disais, mais du moment où ça représente une personne, il faut aussi se demander à quel niveau de recherche on va utiliser ce thème et qu'est-ce que demande la personne. Est-ce qu'elle a des difficultés, des préoccupations au niveau physique, biologique? Est-ce que c'est au niveau socioculturel? Elle a des problèmes d'insertion professionnelle? Ou est-ce que c'est au niveau psychologique, individuel? Ou alors, est-ce que c'est une personne, justement, qui cherche à jouer le rôle qu'elle peut jouer au niveau de la collectivité humaine? À ce moment-là, on parle du niveau transpersonnel. Au moment où on considère le thème pas comme, disons, un support pour nous accompagner dans nos crises, mais une indication sur le rôle précis qu'on a à jouer dans l'aventure humaine, ça c'est le niveau transpersonnel. On n'est pas préoccupé par des problèmes psychologiques singuliers, mais qu'on cherche surtout à jouer, à faire ce qu'il y a à faire ici, maintenant. Ça c'est le niveau transpersonnel. Donc c'était ça votre question. Là, je vous parle de quatre niveaux, mais on peut bien sûr, rajouter, prendre des sous-niveaux. Mais c'est une question qu'il faut toujours se poser. Et vous, par exemple, vous êtes à quel niveau? Ah, mais il ne faut pas le voir comme une hiérarchie du tout. Hein. Il faut le voir comme
faut plutôt le voir comme des, d'une façon holistique, comme ça. Comme chaque niveau englobe, oui. englobe mais vous, le par précédent. Exemple, vous, par exemple, vous seriez quoi, vous, dans, ce, dans cette constellation? Mais je suis tout, parce vous que de toute façon, le niveau physique-biologique, je ne vais pas y couper. Le niveau de socioculturel, il ben, faut bien que je gagne ma vie, et puis que j'ai effectivement un rôle de mon quartier, de ma commune, de ma... ouais, au niveau cotonal, par exemple. Ah bon? J'ai aussi des soucis, des préoccupations. J'avance au niveau de mon chemin d'individuation avec des crises, des questionnements. Et puis, effectivement, je pense que le niveau transpersonnel est là aussi, dans la mesure où, des fois, je peux poser des actes qui sont impersonnels. Citoyen. Oui, et peut-être même au-delà, oui. Je pense qu'on a tous, ces quatre niveaux qui sont toujours là, mais c'est une question de plus ou de moins. Le jour où on a, je sais pas, une crise de foi ou quelque chose, on une indigestion, on est complètement pris par ce que le corps nous fait endurer, et puis on va peut-être pas philosopher. Et alors l'astrologie, elle peut fonctionner sur ces différents niveaux. Oui. Aussi bien, par exemple, l'astrologie médicale, ça existe en astrologie humaniste. Oui. Oui, moi, je ne la pratique pas parce que je n'ai pas assez de connaissances. Mais ce n'est pas interdit. Disons, parce que ce qu'il faut aussi, l'usage de ces quatre niveaux, bon là, je les ai décrits un peu brièvement, oui. mais en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand il y a besoin de passer un cap, quand on est pris dans une crise, hein, où on peut prendre, par exemple, dans un cycle, au moment du carré croissant, par exemple, où il s'agit justement de vraiment établir un revirement, de viser autre chose, de balayer le passé, une crise. Or, cette crise, elle peut se manifester justement à différents niveaux. On peut somatiser. Alors, on peut effectivement faire des liens entre une somatisation assez caricaturale et puis justement une problématique psychologique qui ne serait pas résolue. Donc, on peut justement passer d'un niveau à l'autre. Mmh. Disons, bon, ça s'exprime à tel niveau, on a des problèmes sociaux, on n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Il faut peut-être voir aussi comment on peut relier ça à d'autres niveaux. Et puis ça peut avoir des répercussions à d'autres niveaux, effectivement, sur le plan de la tension, du stress, du cancer. Ouais. Que quelque chose a besoin de s'exprimer et. Il va s'exprimer au niveau le plus accessible à tel moment. Mais par exemple, je suppose que vous n'imagineriez pas qu'on peut annoncer la mort de quelqu'un par l'astrologie, par exemple. Mais c'est impossible. Ou le suicide, peut-être. Non, je ne peux pas, je ne vois pas ça. Je suis incapable de le voir. Donc ça, c'est même pas... Est-ce que parmi les gens de l'URH, il y a des gens qui ont fait des recherches sur certains, qu'on pourrait appeler entre parenthèses, entre guillemets, statistiques, pour faire apparaître certains facteurs ou certaines données, certaines constantes. Est-ce qu'il y a eu des validités de ce genre dans votre mouvance? Par ma connaissance, et puis ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'en fait, on a justement une approche de la vie qui est non statistique. Dans la mesure où les statistiques, elles nous donnent toujours des valeurs moyennes. Elles ne correspondent pas à un type. Disons que... on va beaucoup plus utiliser des types, par exemple les types au niveau des dessins planétaires, vous voyez. Mais les statistiques ne nous intéressent pas. Vous parlez pas de l'astrologie holistique, là. Les dessins planétaires, qu'est-ce que c'est les dessins planétaires dans votre langage? Disons dans notre... C'est parmi les formes, un thème en croix, un thème en triangle. Voilà, c'est ça. Donc, le premier regard, quand moi j'utilise beaucoup cette pratique, quand j'étudie un thème, la première chose que je regarde, c'est l'aspect global. Comment les planètes se répartissent dans le thème? Est-ce qu'elles sont toutes dans un trigone? Ou est-ce qu'elles sont, elles sont bien réparties sur tout le cercle? Ou est-ce qu'elles sont réparties sur un demi-cercle? Ça c'est très fréquent. Il y a eu un livre là-dessus, sur cette... catégorisation oui, des... Oui, il y a le livre de... C'est Marie Cagnac et Alexander Huberti qui ont fait ça. Voilà. C'est la géométrie du ciel. Alors là, il y a des... Il y a un classement par les formes du thème, par les...
la disposition des aspects du thème. Oui, oui. Je n'ai pas fait attention. Et là, ça, ce sont des types. Donc, on a une dizaine de... on établit une dizaine de types, et puis on range les... C'est ce qu'on appelle la géométrie du ciel, en fait, quand c'est ça. Oui. Ah, oui, d'accord. Oui, je... Ce dont je vous parle, c'est oui, dans ce bouquin-là. Non, mais d'accord. Mais c'est, les dessins planétaires. Oui. Et puis là, c'est... Alors, on a beaucoup plus... On ouvre déjà dans le thème. Il s'agit des configurations. Les configurations, c'est quand on a... un aspect qui relie plus que deux planètes. Vous voyez, par exemple, s'il y a une opposition, hein, qu'est-ce que je fais quand je vois une opposition? Je regarde s'il y a une troisième planète qui se relie aux deux premières planètes d'une opposition pour voir où est le point de résolution de l'opposition. Oui. Si c'est un carré, on appelle ça un carré monté, hein, si... Donc, il y a une dimension géométrique dans votre travail d'interprétation. Ah oui, la géométrie, vous, ça c'est... Vous vous demandez à quoi ressemble ce thème, par exemple. Vous, quand vous avez un nouveau client, tout de suite vous essayez de voir la forme du, à quelle forme du thème. Voilà. Géométriser le thème, en fait. Oui. D'abord, donc là, on retrouve la notion de jardin à la française, effectivement. C'est-à-dire que, malgré tout, on cherche à faire ressortir une figure assez simple, en fin de compte. Oui. Oui, oui. Et après, moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est simple. Un moyen que, qui m'aide beaucoup. Une fois qu'on a, on a situé ces planètes dans un dessin, déjà chaque planète, en plus de sa fonction habituelle, elle a une fonction au, au niveau du thème complet. Parce que quand on a, par exemple, je vous parlais d'un... Quand les 10 planètes sont réparties dans un petit espace, comme un trigone, on va regarder quelle est la planète, la première planète, quelle est la dernière. Déjà, ça nous donne une idée sur ce qui encadre la destinée de la personne. Donc, au niveau de la spatialité du thème, donc, il y a un travail de scénarisation, mais alors, enfin, de mise en scène, effectivement, de structuration. Mais en revanche, c'est toujours le même problème. Et il y a, en revanche, dès qu'il s'agit de faire des prévisions, c'est un autre... vous avez quoi comme... Est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on a la même possibilité de géométriser la vie des gens? Ah ben là, on utilise, moi, pour actualiser ou faire des prévisions, guillemets, j'ai deux techniques, c'est les transits et les progressions. Oui, mais est-ce que ça donne, alors, non mais je sais, je suis d'accord, mais ouais. Est-ce que ça donne, est-ce que ça donne une, est-ce qu'il y a un formalisme aussi à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez dire, alors par exemple, on pourrait imaginer que vous, on pourrait imaginer, mais je pense que ça n'a pas été fait, mais on pourrait imaginer... Que vous disiez, voilà, cette personne-là, elle a un destin avec telle forme. Parce que les planètes se répartissent de cette façon, donc ça fait une certaine forme. Ça n'a pas été fait, ça. De définir des formes de vie. Au niveau d'un processus. Oui, c'est ça. Voilà. On pourrait par exemple imaginer qu'il y ait une dizaine de formes. En disant, voilà, bon, bah, je sais pas, on pourrait mathématiser la forme, voilà, à tel endroit. Par exemple, des gens qui ont toutes les planètes qui se au niveau de leur vie, toutes les planètes se rejoignent au même endroit. Oui. Et puis après, il n'y a plus grand-chose. Et puis après, beaucoup plus loin, il y a autre chose. On pourrait aussi voir, hein, ça serait un peu la corollaire du thème astral, mais dans le temps, cette fois-ci. D'ailleurs, c'est l'un va pas sans l'autre. Si quelqu'un a une certaine forme de thème, il aura aussi une certaine forme de vie. Parce que ce thème, il va se déployer dans le temps. Oui. Donc, est-ce que ça a été étudié, ça, dans les ouvrages sur la géométrie du ciel? Est-ce qu'on a étudié telle catégorie de thème, telle vie, tel mode de vie, tel destin, tel profil d'activité, quel profil d'existence découlerait mathématiquement, par projection, de cette forme du thème natal? Non, parce qu'en fait, la forme est définie par différentes planètes. Si, disons, on reprend l'idée de ce thème où toutes les planètes sont un espace de 120 degrés, c'est sûr que si les planètes qui entourent, hein, qui bordent ces 120 degrés, ce sont Pluton et Uranus, ces planètes-là sont très lentes. Alors que si c'est Mercure, la Lune, le dessin va se... Au niveau des progressions, enfin, excusez-moi si je me trompe, au niveau des transits, c'est vrai, mais au niveau des progressions, toutes les planètes avancent au même rythme, plus ou moins. Ah non, alors moi, j'utilise surtout les progressions secondaires. Ah oui, alors les progressions symboliques. Ah oui, alors les progressions secondaires, c'est
Oui, alors donc la Lune va beaucoup plus vite que les autres, exactement, c'est ça? Exactement, oui. Mais, progression secondaire, c'est alors, donc Pluton va un peu, va moins vite que Mercure. Ah oui. Enfin, bon, ils avancent pas beaucoup quand même. Enfin, c'est effectivement sur une base de 30 ans, ils ont. C'est-à-dire que sur une base de 30 ans, en progression secondaire, la Lune aura fait plus qu'un tour. Voilà. Alors que Pluton, il peut avoir peut-être changé. Donc effectivement, ils avancent quand même à des vitesses différentes. Un petit peu, oui. Oui. Par contre, en direction primaire. Les directions symboliques. Là, toutes les planètes avancent au même rythme. Ouais. Effectivement. Et puis, on m'a parlé aussi de quelque chose, c'est-à-dire. Attendez, je ne vais pas vous demander. C'est qu'est-ce qu'on nous a dit l'autre jour? C'était un mois. Il y a, tous les mois, un mois. Pour arriver à un cycle de 30 ans, n'est-ce pas? Un jour, un an. Comment? Un jour, un an. Non, pas du tout. C'est un jour égale un mois. Quelle est la progression pour arriver? Il y a un cycle de 30 ans qui est constitué avec une progression mensuelle ou annuelle, je ne sais plus très bien. Un jour égale un an? Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Un jour égale un an, c'est la direction symbolique classique. C'est un autre système qui permet d'arriver à 30 ans. Système de progression. Il paraît que dans l'astrologie humaniste, il y a une période de 30 ans est importante. Oui. De 27 ans. Oui. De 27 ans. Oui, en fait, c'est la période 27, effectivement, à 27 ans, la Lune progressait, 27 ans et 3 mois, la Lune progressait revient exactement à la place qu'elle occupait à la naissance. Alors, ça correspond à un rythme de combien à chaque fois? Alors ça, c'est tous les 27 ans. Ça, c'est la totalité de quoi? C'est l'accumulation de progression tous les temps par an pour arriver. Alors ça, c'est la progression secondaire. C'est un jour égal à un an. Oui, c'est la progression secondaire. Mais cette période, effectivement, autour de la trentaine est très importante parce qu'il y a ça. Il y a aussi le retour de Saturne, bien sûr, qui est dans ces zones-là. Mais bon, vous avez l'air contrarié. Mais c'est dans notre système qui existe. C'est pas comme ça qu'on arrive à 30 ans, en fait. C'est pas par les directions de ce type-là. Enfin, c'est pas grave. C'est un autre système qu'on nous a expliqué l'autre jour, où effectivement, on arrivait à ce chiffre. Bon, il y a, pour terminer, donc, il y a trois éléments. C'est qu'à 29 ans et quelques, la phase de lunaison se répète. Oui, voilà, ça. Effectivement. Et ça, on utilise beaucoup le cycle de lunaison progressé. Ben, votre ami Pierre Brun, justement, nous a fait un exposé lors de nos journées de mai, assez surprenant. Il dit qu'il fait le thème de la lunaison du siècle. C'est son idée à lui. Mm-hmm. Il fait la lunaison du siècle pour savoir ce qui va se passer pendant le siècle. Dans le 20e siècle, par exemple, il fait une lunaison, je ne sais pas pour quelle. Telle lunaison du 20e siècle, la nouvelle lune du. Oui, de l'année 1900, voilà. Et ça lui sert pour comprendre l'ensemble des événements qui vont se déployer. C'est l'astrologie mondiale appliquée, la lunaison appliquée à l'astrologie mondiale. Bon, je signale ça. Les techniques sont infinies, du moment qu'on est cohérent, qu'on sait ce qu'on cherche, c'est bon, hein. Mais c'est évident qu'on ne peut pas toutes les tester. Moi, j'en ai quelques-unes que j'ai expérimentées et puis qui me satisfont. Ça suffit. Bon, bah alors écoutez, vous pouvez me poser quelques questions. Alors on a aussi un test à vous faire passer. Mais en attendant, pour faire un petit interlude, si vous voulez me poser quelques questions, et puis après, je reviendrai vers vous. Alors. Oui, j'aimerais bien savoir. En vous exprimant, vous exprimez votre propre idée en vous posant vos. Alors allez-y. Alors vous, ça fait bientôt une semaine que vous êtes en Suisse ou vous avez fait. Lundi. Lundi, oui. Vous faites une enquête un peu sur ce qui se passe. Oui, on a une réunion à Morges le lendemain avec Monsieur Bianchi et puis des amis Christophe Gros, je ne sais pas si vous le connaissez. Je connais bien Marcel Bianchi. Oui. Mais Christophe Gros. Alors Monsieur Bianchi, à ce propos. Est-ce que vous êtes intéressé? Il organise une réunion lundi à 17h30 à Romanet. Romanel, pour parler d'astrologie. Oui. Est-ce que vous êtes libre? Non, justement, je ne suis pas libre. Bon, enfin, en tout cas, il y aura une petite réunion de l'astrologie. Bon, je vous transmets l'invitation. Et où il invite des astrologues. Voilà, enfin, ça sera, oui, c'est ça. Non, mais je serais volontiers allée. Ah, bon, d'accord. Mm-hmm. Bon, alors, donc, il y avait cela, et puis alors, donc, ça...
Le lendemain, on a vu Odette, la du Paul. Mm-hmm. Le surlendemain, on a vu Monsieur Fatchin et Madame Galland. Mm-hmm. Et le vendredi, on est en train de voir Claire Gagné. D'accord. C'était vous. Et puis j'ai aussi appris que vous étiez passé à la librairie. Oui, j'ai interviewé pendant une demi-heure Chantal Haguet. Mm-hmm. Et elle m'a effectivement, on a fait une petite séquence sur elle aussi. Mm-hmm. Oui. Alors elle est de l'école de Pierre Lassalle. Eh oui, d'ailleurs, voilà. elle en a profité pour faire un long exposé. Voilà. Ouais. Alors justement, entre l'école de Pierre Lassalle et ce que vous me dites sur la géométrie, il y a des recoupements. Oui. C'est la même... C'est pas les mêmes... C'est curieusement assez proche par certains côtés. C'est-à-dire que sa préoccupation, c'est aussi de trouver tout de suite la forme. Alors c'est plus imagé que chez vous, je pense, parce qu'il y a des noms un peu, bon, je sais pas moi, la poêle à frire ou je sais pas quoi, vraiment des trucs comme ça. Et Rudière, lui, il était favorable à cette forme de géométrisation du thème. C'est lui qui en a parlé voilà. D'ailleurs. Donc, oui. Alors voilà, donc il y a. Moi j'ai bien connu dans les années 70 un des créateurs de cette formule, c'est M. Meyerpark, qui était un Autrichien. Oui. Et qui avait des. Je me souviens plus. Ben, moi j'ai organisé des colloques avec lui, et il y a 30 ans, je me souviens qu'il faisait des conférences là-dessus, sur les formes, la gestalt, je sais pas comment on disait, enfin la forme du thème. Oui, la gestalt. Je sais pas. Mm-hmm. Moi ça me laisse un peu perplexe, mais en tout cas je note que ça. Il y a une dimension de géométrisation qui est louable, mais qui pour moi est un petit peu, c'est un peu, ça fait penser un peu, vous savez, aux gens qui font des recherches sur la dominante. Oui, oui. Hein? Alors on prend ça existe chez vous la recherche de la dominante? Non. Oh d'accord. Non, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'astrologie. On fonctionne très peu avec les quantités. On n'est que dans une approche qualitative. Voilà. Alors il y a beaucoup d'astrologues, y compris Nicolas, enfin beaucoup d'écoles d'astrologie, qui essaient de contrebalancer la complexité du thème, qui va un peu dans tous les sens, et puis alors ils ont des coefficients, c'est même d'ailleurs parfois informatisé, entre parenthèses, c'est informatisé, et ils vont vous sortir une ou deux, ou une dominante, une sous-dominante, etc. Ce qui montre bien toujours cette volonté, malgré tout, de passer du global et de la diversité à une certaine forme de centralité. Des éléments qui seraient, il y aurait une hiérarchie qui serait mise en place, mais qui serait évidemment relative à l'ensemble des facteurs du thème. Voyez-vous, c'est un peu la même démarche. Bon, je vous ai On peut revenir à vous. Moi, j'aimerais savoir votre sentiment. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des astrologues ou de l'astrologie en Suisse romande? Quelle est votre impression? Déception? Interrogation? Disons que ils ne sont pas très habitués aux colloques. Ouais. Ils n'ont pas une culture de colloque. Et la culture, moi j'ai toujours pensé que la culture du qu'un astrologue n'était pas le même quand il participait régulièrement fréquemment aux colloques et quand ça n'était pas le cas. À condition quand même parce que le colloque c'est comme une discipline, le colloque c'est même une épreuve quelque part. Écouter l'autre parler, un autre astrologue, un autre point de vue, parler avec vous ou après vous, etc. Ça couvre quand même davantage. Parce que on n'est pas moi, ce que j'appelle la différence entre verticalité et horizontalité. On peut être tout le temps l'astrologue qui sait devant le client qui ne sait pas ou l'élève qui ne sait pas. C'est quand même aussi une épreuve, parfois, je ne dis pas que ça ne soit pas éprouvant, de rencontrer un. L'horizontalité. Oui, non, ça c'est la verticalité. La verticalité. Donc il y a des gens qui sont des astrologues du vertical. C'est-à-dire, je ne rencontre pas mes collègues, mais j'enseigne l'astrologie ou je fais des conférences d'astrologie pour des gens qui surtout ne la connaissent pas ou très peu, des consultants qui ne la connaissent pas ou très peu, etc. Alors qu'en revanche, quand vous rencontrez dans l'horizontalité, ben là ce sont des gens qui en savent peut-être autant que vous, en tout cas qui ont une certaine. Vous devez respecter quelque part une certaine expérience qu'ils ont des choses. Et là, ce n'est pas tout à fait le même son de cloche, ce n'est pas la même façon. Et ça, il faut quand même s'y habituer. Hein. Et il faut aussi s'habituer à pouvoir discuter avec la personne sans qu'elle se sente agressée, sans que... Bon, ben, c'est tout, vous vous exprimez, il y a un échange d'idées. Il peut vous mettre en difficulté sur un point, éventuellement. C'est un peu parfois des joutes, plus ou moins animées. Et ça, c'est très formateur, parce que justement, ça permet à relativiser un peu. Enfin, c'est très bon. C'est une sorte de, je dirais presque,
une sorte de didactique, vous savez, comme on dit en psychanalyse, vous savez, ça permet de contrebalancer l'excessif processus d'être constamment avec des gens dont on est, alors les gens qui, on est, je suis astrologue, puis vous, je vous enseigne l'astrologie, je représente l'astrologie. Donc c'est ce qu'on appellerait des réunions de contrôle, vous, en psychologie, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que ce serait conseillé aux astrologues de participer une fois par an ou deux fois par an à des réunions de contrôle. Mmh. Il ne s'agit pas d'être contrôlé, mais il s'agit de voir qu'on est capable de parler de l'astrologie de manière... On n'est pas trop... D'abord, premièrement, déjà, on a pris un peu de distance par rapport à l'astrologie, de façon à ne pas être constamment... on n'a pas à se sentir attaqué personnellement parce qu'on vous fait une observation sur votre système, etc. Mmh. Et c'est quand même important parce que ce n'est pas le même statut. Quand oui, face à la verticalité, bon, on assure, on est obligé de présenter une certaine image. Et là, on enlève les masques et on se décharge un petit peu de cette espèce de position un peu rigide qu'on est obligé d'assurer. Oui. Et ça depuis quand même déjà une bonne vingtaine d'années. Il n'y a plus aucun colloque, on allait à Zurich ou à Lucerne, je ne sais pas si vous êtes allé. Mais en fait, c'était même pas organisé. Oui, bah, c'était organisé par les Suisses allemands. Oui. Mais c'est vrai qu'en Suisse romande, on a peu... Non, il y a eu une époque, mais malheureusement, ça a... Ces dernières années, oui, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années, les astrologues ne se rencontrent pas, ou alors ils se rencontrent à l'intérieur d'une chapelle. Et donc là, je crois que j'ai apporté un petit air frais dans les discussions, dans les réunions, mais qui est tout simplement quelque chose qui existe beaucoup plus en France qu'en Suisse à ce moment-là. Uh-huh. C'est pas tellement que l'astrologie est différente, c'est que les gens sont un peu plus aguerris à rencontrer des collègues qui n'ont pas forcément le même point de vue. Uh-huh.